Le pagayeur place son bateau rempli d'eau, la pointe arrière comportant les réserves de flottabilité en appui sur le bord. Il doit ensuite retourner progressivement l'embarcation pour vider le plus gros et terminera en levant la pointe avant, bateau complètement retourné. Quelques mouvements latéraux compléteront la vidange avant la remise à l'endroit.